Bon, on est tous pareils, comme les mecs de la NASA, on amène nos gamelles au boulot pour manger le midi. On mangeait tous la même chose, les pâtes que ça fait 15 jours qu'elles sont dans le frigo. Par contre, quand on pense jamais à s'amener un petit ricassou, eh ben j'ai la solution. Si t'as eu une femme, que t'as eu des enfants, t'as forcément eu ce petit ch'timidi qui va bien. Par contre, quand si t'as pas de femme, pas d'enfant, j'aurais dit t'es baisé, quoi, tu peux pas le faire, mais là j'ai envie de te dire... C'est bien toi le plus heureux quand même, tiens. Bref, franchement, moi la mienne elle est partie, je me demande si le machin c'est carrément pas fait exprès après pour les grands. En termes de dosage ricassou, on est vraiment pas mal. Démonstration en images, sous tes yeux ébahis. Non, sans déconner, t'amènes ça au bureau, les gars, ça va jaser. Ils vont dire, putain, mais il est loin d'être comme machin, je le pensais pas comme ça. Là tu fais ça devant Gwendoline de la Conta, je te garantis qu'elle va avoir les yeux comme une poule qui a trouvé un couteau. Je vois pas le rapport. Bon, enfin bref, tu sais ce que je veux dire, surtout ne me remercie pas quoi, putain, tiens va. Franchement, en France on n'a pas de pétrole, mais putain, qu'est-ce qu'on a comme idée.